Salut à tous, c'est Protoxic, bienvenue sur la chaîne Zombie Survival Horror Paranormal. On se trouve sur Ark Survival avec Matt47. Salut à toi Matt. Salut. Et donc, bienvenue pour cet épisode 16 de Je visite les constructions des abonnés. Donc aujourd'hui, on est dans la partie solo privée, ce n'est pas un serveur. Hein. Pour ceux qui demanderont tout de suite, je peux rejoindre le serveur, c'est une partie solo. La partie de Matt47. Et donc aujourd'hui, je fais plaisir à Matt47 puisque c'est un abonné très fidèle qui est tout le temps en train de parler avec moi, de commenter les vidéos, de les regarder. Donc pour récompenser vraiment les abonnés les plus fidèles, je visite leur petite base. Et sinon, bah, les autres, pour postuler, il faut vraiment avoir une très grosse base pour que je vienne visiter. Voilà. Donc sinon, bah, Matt, on explique que tu es dans une partie de Oui. cheaté. Oui, une partie vraiment cheatée, oui, parce que j'ai multiplié par 999 999 un petit peu Tout. tous les ingrams, etc. Voilà. Attends, il est à toi celui-là? Non, non, il est pas moi. Allez, salut. Voilà. Ok. Et puis donc voilà, c'est vraiment pas fait pour chasser ou quoi, c'est cheaté pour la construction. Le but de cette partie, c'est Oui. de pas se poser de questions hein, de faim, de soif, de limite de ressources. T'as envie de construire, paf, tu construis. Donc on arrive sur Surtout une Behemoth Gates. aussi pour découvrir les items qui Oui. existent dans Ark, parce qu'il y en a tellement. Voilà. On arrive sur une Behemoth Gate. Je vais me mettre à la troisième personne avec mes gros boobs en métal là. Et regardez un peu la blague, attendez, je vais mettre comme ça, caméra troisième Ah non. personne. On avance, on rentre, et boum! On se fait accueillir par des mines. Voilà. Donc t'as placé des pièges à l'entrée, Putain, sympa. y en a une troisième. J'aurais pu mettre des pièges narcos, mais c'est un petit peu moins marrant. Ouais. Ouais, comme tu dis, c'est sympa pour tester des nouveaux engrammes, des nouvelles constructions, des nouveaux murs, tester des nouveaux objets, quoi. Ouais. Donc t'as fait tout simplement un énorme enclos. Si j'essaye de filmer de haut, t'as fait un énorme enclos métallique, tout simple. Voilà. Tiens, bah on va faire le tour par. Attends. Voilà, t'as fait une muraille. Pas plus de défense que ça parce que tu t'en fous. C'était juste pour tester. Voilà, ça fait tout le tour. Et alors, c'est quoi ces maisons? Attends. Tu vas me montrer. C'est toi qui me fais la visite. Tu m'expliques un peu le but de chaque pièce. On va commencer par le début là, Alors, à l'entrée, tout au début. ici, c'est le hangar, si je peux me permettre, à dinosaures de taille moyenne qui passe dans les behemoths de taille, enfin dans les portes, dans les dinoportails non behemoths, comme le Ouais, trike, le comme le Dino Gate normal. sarco, l'araignée, un petit peu de tout, voilà. Donc tu t'es amusé à tester les nouveaux dinos, je vois. Tu les as Ouais, tam j'ai fait ou pop tous les dinos. tu Non, c'est non, non, je les admin? ai. Ouais, oui, je les ai tame. C'est Non, je force les ai tam. tame parce que je voulais regarder combien de temps ils prenaient avec chaque item Ah ouais. pour Ouais, donc découvrir le tu jeu sans utiliser le wiki. t'as pas fait. Ah ouais, donc t'as une araignée, je peux monter dessus. Ouais, tu t'assois dessus. T'es assis sur la tête en mode. Ah, c'est marrant. Ça me fait penser à une araignée des draps, tu sais, les femmes araignées des draps dans Ouais. Oblivion et Elder Scrolls Online. Les araignées des draps. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux cracher. Je peux faire Spider-Man. Et après, Donner faire des coups. Spider-Man et Mordre et tout. attaquer Alors avec. attends, on va tester parce que moi ça m'amuse. Je vais tester aussi ton Megaceros. Ouais, ça c'est pour fermer la touch. Parce qu'il y a une partie de mes dinosaures, je les ai eus, mais en non-cheat. Parce que la partie. Merde. Enfin, les commandes admin sont arrivées en cours de construction de Ouais. cette base. Pour te dire, le premier bâtiment qu'il y avait que j'ai fait en outil, c'est la maison en pierre qu'on verra après. Waouh. Alors du coup, il est bien lui, il est rapide. Hein. Regarde, il fait des bons sauts, il est Oui. rapide, il est sympa. Bon, on va tester aussi le Essaye le kangourou. rhinocéros. Et Tu le voulais. kangourou, essaye le Ah oui, rhinocéros je vais avec sa tous les tête. tester parce que moi-même, tu vois, j'ai pas trop l'occasion de me divertir la plupart du temps. Vu que je tourne des let's play, ça représente du travail. Alors ça fait du bien de se détendre un peu. On va tester le kangourou. Ah ouais, alors là je sais que je peux faire des sauts de ouf. Attends, prendre Là, de tu peux l'élan. courir super vite et tu peux faire des Wouhou! sauts. Le Voilà, ouais, bruit que ça fait c'est. quand il atterrit aussi, Attends. ça fait une explosion. Ça charge un peu du coup. Ouais. Oh, j'ai sauté par-dessus!
Je me retrouve dehors. Il a sauté la muraille, j'y crois pas. Il a sauté la muraille, le Mais bazar. en fait, c'est ouais, ça c'est bien ça pour le serveur PVP quand on veut raid, parce que le poids il s'augmente facilement et la Ouais. rapidité est là. Donc, Ah mais non, mais c'est pour un truc raid, de sinon, fou. faut traverser Comment une tu... muraille. Le mec, il peut faire une muraille, tu t'en fous parce que tu passes par-dessus, quoi. Ah, il y avait une muraille, j'avais même pas remarqué. J'ai sauté par-dessus, là, depuis tout à l'heure, je saute, c'est un truc de Ouais, fou. je t'ai vu sauter par-dessus en fait. Hello. Voilà, c'est... What the fuck? Attends, si j'arrive à sauter sur le... Je peux sauter sur les bâtiments, rebondir. C'est la folie totale. Donc ouais, bien drôle. Après, est-ce que t'as un Gallimimus par hasard? Galiminus. C'est-à-dire? Je me souviens plus ce que c'est. Ah non, les Galiminus, c'est ceux qui vont vite là. Non, j'en Ouais, ai pas, j'ai tu l'as pas. pas trouvé. Alors attends. Parce que je me les give pas, les dinosaures, je vais les chercher en fait. Je vais Ouais, essayer de les comme tame ça. par moi-même parce que je voudrais les découvrir pour Alors plus tard pour attends. les serveurs. Je vais tester. Tiens, le Terror Bird, on va rigoler un petit peu Ouais, le pour pire, volter. à ton avis, le Terror Bird, est-ce qu'il. À quoi il sert à ton avis? Ben, c'est pour redescendre de la montagne, c'est un parachute en fait. Ouais, c'est un genre de parachute. C'est bien pour raid les bases parce que il suffit qu'il y ait un mec qui te porte en quetzal. Regarde, on va essayer de prendre Hop, de là, la tu l'armes. hauteur. Attends, ça. Au pire, va à l'élévateur. Ouais, fais voir. Alors, tu. Attends, tu peux me faire fonctionner l'élévateur? Il est où? Je vais voler. On va faire le plus haut saut de la map. De la base. Regarde, j'arrive en voiture. Oh, ce truc. Attends. Ah, le doué, c'est trop bon. Tiens, l'élévateur, il est là, l'élévateur? Oh ouais, tu te mets là, là, sur les plateformes en fer. Attends. Qu'on se fasse pas écraser. Vas-y. Toute façon, tu passes à travers si tu te fais écraser. Vas-y, voilà, super, la plateforme a été cachée. Et là, je vais essayer de faire justement un super saut. Bon, après, derrière, on verra les inos après, ou après, maintenant, si tu veux. Ah oui, on pourra en profiter pour voir ta... Donc là, on arrive sur la base principale, le plus gros morceau. Et du coup, bah, on va tout de suite parler. T'as une petite collection de Quetzal et de Pteranodon. T'as une verrière aussi. C'est quoi? Ouais, C'est une c'est une serre. serre. Une serre, ouais. Donc t'as mis tout ça. Je vais m'amuser à faire le saut. Et je vais retourner chercher un rhinocéros. Comme ça, on visite la base hein, tout en s'amusant. Oula! Ah ouais, je redescends vraiment tout doucement comme un parachute, quoi. C'est trop drôle. Regarde, mais moi je vais plus vite. Ah tiens, ça y est, j'avance. Parce que c'était un petit peu... Il pédale dans la semoule, le C'est truc. buggé. Il Oui, pédale dans la semoule. ouais. Voilà. Donc le Terror Bird, ouais, c'est marrant, c'est le parachute, quoi. Ensuite, le rhinocéros, on va tester. Ah, j'aurais dû le renommer Rhino Mephisto. Dédicace. Dédicace à Rhino Mephisto. Alors attends, on va prendre le castor. Ça serait bien de le tester parce que dans l'eau, je vais Alors, directement aller petite dans l'eau. anecdote, le savais-tu que le castor, enfin la selle de castor sert de smithy? Oui, ça sert de smithy. Et pour vous dire, vous avez 10 fois plus d'emplacement dans un castor que dans un smithy. Donc vous avez vraiment un smithy portable. C'est une tuerie ce truc. Et ce qui est bien, c'est que le bois pèse moins lourd dans l'inventaire du castor que dans le vôtre. Ah ouais. Je vais dans les profondeurs avec ton castor là. Non, mais le castor, je trouve qu'il est pas mal parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Il est rapide, à la fois terrestre et marin, c'est un super compromis. Et le fait d'avoir un smithy portable, mon pauvre, c'est vraiment idéal pour Tu sens. construire quoi. Bah ouais, quand tu veux Attends. déménager, il est bien. Alors, j'ai un ralentissement, c'est normal parce que je me rapproche de la base. Je me C'est rapproche bon, de tu es la parti. base. Peut-être par les Ben, behemoths, je ne sais pas. à l'entrée. Voilà. Donc on a vu le Ah ouais, c'est castor. bon. Alors on va finir par le rhino. Et Histoire tout en qu'on connaît visitant la tous le base, loup tiens. l'ankylo, on connaît tout. On connaît tous. Hein. Ouais, l'ankylo, on connaît. J'ai fait une vidéo. Alors je ne sais Comment tamer pas, son premier dino, tu mais. sais. Alors attends, le Ouais, rhino. alors Le je ne sais rhino. pas si t'as vu à quoi ça ressemblait de monter sur un gigano. Attends, j'ai poussé le Oui, loup. oui. Tiens, on pourrait en profiter. Peut-être toi, tu pourrais prendre quelque chose. Et puis on va présenter en même temps les autres bâtiments à dos de dinos. Puisque là, Je donc vais là prendre c'est la autre chose. partie
C'est la partie parc. Attends, je vais fermer ça. Ouais, ici c'est la partie Jurassic Park Storage. Voilà, tu les stocks. Bon, allez, je prends un petit camion. Et ceux-là, par contre, c'est les plus gros. Dehors, t'as mis les plus gros comme le Gigano, voilà. Par contre, les Brontos et le Stego, si vous voyez qu'il est en sens, c'est normal, c'est parce que comme la vie est multipliée par 999 999, bref. Ouais. Ils ont plus de 2000 points de vie, mais ils sont en sang parce que la vie c'est 6 millions et des bananes. Ouais. Mais non. Tu es deux malades. Donc là, pareil, t'as. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais t'avais un bâtiment. À quoi il sert le bâtiment derrière? C'est pour les œufs? C'est pourquoi? Ce bâtiment-là, c'est. Dedans, il y a un générateur et devant, il y a un keypad. Je sais pas si tu l'as vu. Mmh. Le keypad, c'est pour allumer toutes les lumières qu'il y a dans la base et dans la tour d'observation plus loin. Ouais. Pour toutes les allumer d'un coup, et dedans, dans cette salle, il y a un générateur et des lampes au-dessus. C'est pour éclairer cette zone-là parce qu'elle était assez sombre. Ah ouais. Alors attends, tu sais quoi? Je serais tenté. Oh, je vais garder le rhinocéros pour l'instant. J'aurais pu faire la visite à dos de T-Rex, mais c'est pas grave. Donc, ouais. Si tu veux prendre le gigano, tu me dis. Sinon, qu'est-ce que c'est le gros bâtiment? Le gros bâtiment du Bronto là? Qu'est-ce que c'est? La maison en pierre. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette maison en pierre? Ouais. Ici. C'est celle-là, je l'ai faite en autre sheet. Hein? C'était une base pour une base normale de taille moyenne. Et comme ensuite les commandes admin sont arrivées, j'ai dit bon, je la vide, et je me construis une base full metal parce que je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ah ouais. Mais sinon ça c'est ta. À l'intérieur par contre. C'est ta première base que t'as fait en autre sheet. Voilà, et l'intérieur par contre il est un peu vide parce ouais. que j'ai oui, tout oui. enlevé. T'as et tout enlevé, ouais. Bon, alors ça, attends. C'est le Quetzal Arambo. Ah bah tiens, je le prends. Olivier regarde sur son dos. Je le prends et viens, on va voler ah, un petit. Ah merde. Voilà. T'es tombé? Bon. Voilà, comme ça on va montrer un petit peu. Énorme, hein. C'est quand même super. Une gatling comme ça, c'est mieux que la baliste et la catapulte, bien sûr. Donc, non, bah, la baliste, je l'ai eu en cheat, toujours pareil. Ah, ouais. Et par contre, est-ce que tu as fait en sorte qu'il fasse nuit, jour, longtemps? Non, j'ai laissé que le jour parce que la nuit on n'y voit rien. Ouais, donc et c'est... quand on allume les lampes dans le métal, c'est impossible à voir sauf si on a des yeux de. C'est une horreur, ouais. Je sais pas quel animal. Alors attends, justement, moi j'en profite pour prendre énormément. Des belles photos pendant ta vidéo. Ça vaut le coup. Viens, on va continuer avec ça. Donc on a vu l'intérieur du bâtiment. Alors après, qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est qu'est-ce comme, que c'est? C'est comme à côté de l'enclos. C'est toujours une salle générale. Avec des lampes. Regarde le keypad, je vais te marquer le numéro. Les lumières. Et ouais. Là, toutes les lumières de toute la base. Regarde, tu pourras voir ensuite dans la, à côté de la base. Ouais. Tout est allumé. Grâce à ça. Pardon. Alors attends. Et à l'intérieur, ouais. Tu c'est pas mal de. Tu caches le générateur comme un transfo électrique pour pas le mettre directement dehors. Tu le caches dans une petite boîte. Voilà, donc après. Ouais, que ça sert toujours d'ivoire dans sa base. Ouais, voilà, c'est bien éclairé. Là, on est en plein jour, mais je pense que ta base doit être super éclairée vu ouais. le nombre de projecteurs. Et là, c'est pareil, qu'est-ce que c'est? C'est une zone à, c'est à générateur. C'est une zone générateur, génératrice. Voilà, bourrée de trucs. Ouais, bourrée de. Comme ça, t'éclaires dans toutes les directions, ça éclaire bien le périmètre. Voilà. Ensuite. Alors, je vais tout éteindre. On va aller voir. Attends, je vais remonter dans le Quetzal. Tu me chopes? Je te chope, alors t'es où? Juste dessous. Ok. Au moment où t'as décollé. Attends. Je te chope avec X? Non, c'est la touche pour viser, donc LT, je crois. LT? Attends. Vas-y. Attends, j'ai un freeze. Voilà. Oh. Je t'ai lâché? Oh bah tu m'as lâché. Ah ouais. Ouais, non mais non mais je voulais que tu montes carrément dans la gatling. Bah descends. Au pire on peut échanger, tu peux monter dans la gatling. Ah oui, je veux bien la tester.
Alors attends, t'as des balles, t'as mis des balles quand même? Ah oui, je vois 368. Je vais tirer un petit peu dans les rochers là-bas. Par contre, c'est pas précis, mais bon, c'est juste pour le Ouais, fun on peut que je les vise. arroser quoi, c'est quelque chose. Tiens, on essaye de se faire un T'as gros rien. truc. Essaye Vas-y, de. un tigre à dents de sabre, Un allez. tigre à dents de sabre, attends. Oh, c'est pas précis. Ah non, ça arrose. Ouais, ça arrose partout sauf Ça arrose cette partout, ouais. direction. C'est l'impression de tirer avec un fusil à pompe de loin, quoi. Approche-toi. Ah, voilà. Là, tu as touché. Voilà. Bon, J'en ai sympa. chopé un. Et tiens, t'as une tour. On en profite. Je vois qu'il y a une tour là. On peut aller au sommet de la tour. Fais attention à ta vie. Ouais. Tu me dis si elle commence à la midlife, tu me le dis. Comme Non, ça, mais je j'ai donne des potions. les potions de. J'en Ah, les ai potions de justement. soin. Donc là, il y a une tour. Alors attends. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette tour? C'est l'observatoire. Ça, c'est une. Ouais, c'est un observatoire parce qu'on n'a pas trop l'occasion, tu sais, de venir voir. On n'a pas trop l'occasion d'aller dans le biome neige à part pour farm du cristal et de l'huile et des perles de silicone. Donc là, t'as farmé. Non, je veux dire, t'as construit une énorme tour. J'aime bien le côté En mode gigantesque fly. de la tour. En mode fly parce que Ah ouais? j'ai essayé de le faire fondation par fondation, mais c'était compliqué. Oula. C'est sympa avec l'observatoire. Ah ouais, ça permet de. Vas-y. Ouais, de. C'est magnifique, hein, franchement. T'as une belle vue. Comme quoi les serres, enfin les vitres ne sont pas faites que pour les serres. Hein. Ouais, bah bien sûr, hein. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure qu'est-ce que c'était. Parce que on peut tout faire. On peut faire des trucs sous-marins aussi. Ouais, mais le problème sous-marin, c'est que ça prend pas en compte que il doit y avoir Faudra attendre des de mises à l'eau. jour. Enfin, il y a de l'eau dans la base. Ouais, faudra attendre ça. Ils feront des mises à jour pour reconstruire un petit peu comme dans Subnautica. Parce que le côté Ouais, marin est ce serait très pas mal. exploité. Alors, on a une super vue. Est-ce que bien fait, c'est une bonne idée. Plutôt que de faire juste des verrières sur les côtés, vous en faites au sol, ce qui permet de voir carrément sous ses pieds. Ça aussi, c'est Bon, un en bon fait, truc. j'ai voulu placer les murs, sauf que je me suis trompé. J'ai placé ça et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que, comme ça, si on avait des dinos précieux en bas, on pouvait les regarder. Est-ce Et qu'on ça est sert aussi invincible pour de sauter? rangement. Si je saute, je peux sauter ou Oui, pas? saute si tu veux. Voilà. Oula. J'ai un rollback. Ouais, ça le fait quand la map Et prend trop de temps de charger. ça m'a sauvé la vie, quoi. Tu sais, ça m'a ralenti ma chute. Donc, ouais, donc ça, c'est l'observatoire. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes, là? Ils attaquent ton Quetzal. Attends, je vais me le Oh, faire. il est invincible. Hop là. Sabertooth, vous êtes si facile à tuer. Voilà. Donc Oh, mais pourquoi t'as on des va balles? repartir dans ta base maintenant et on va terminer la vidéo Ouais. par la grosse base. Vas-y, tu peux monter. Je monte au Gatling. Oui, prends la Gatling parce que j'ai une mauvaise vue. Comme ça, je prends le Quetzal. Allez. Rambo. Supériorité aérienne. Attends, viens. On est dans le mode supériorité aérienne de Battlefield 4 là. C'est Toute façon, Battlefield après 4 derrière, il y a le primitif. mot. Il Battlefield y a 0. des dinosaures. Il y a le plésiosaure. Je lui ai foutu deux tourelles de Gatling comme ça sur le dos. Alors attends, on va aller voir, ils sont là-bas. Donc là, t'as tout ce qui est port. Voilà. Est-ce que si je me pose. Merde. Si je me pose ici. On pourra remonter dessus après. Si je me pose là. Hein, je peux me Attends, là. poser. Je peux me poser sur la base. Attends. Il Là, va. t'as Il mis fait... dans l'eau. Bon, c'est pas grave. On pourra remonter dedans là s'il se met en stationnaire. Oui, de toute façon, il s'en va pas. Au pire, on peut le mettre en. Voilà, En dessus. follow. Bah attends, je vais me faire comme ça. On va regarder un petit peu. On va les tester. On va monter dans ton plésio là. Oui. Ah, il a. Quel beau sourire qu'il nous fait. Regarde sa tête. Tiens, alors tu vas te mettre dans la Gatling parce que en fait si je me mets en FPS dans la Gatling on voit pas grand chose.
Donc je préfère conduire. On va le tester sous l'eau, hein. T'as pris une Gatling? Ouais, il est pas mal. C'est bon. Allez, on va aller sous l'eau. On n'a pas beaucoup. Il est bien rapide. On fait gaffe parce qu'au niveau de l'oxygène. Alors là, t'as. Ouais, c'est ça aussi. J'aurais jamais pensé installer des Gatlings sur un plésiosaure, tu vois. Le pire, c'est que tu peux les utiliser sous l'eau. Ouais, c'est ça qui est fou. J'aurais pas pensé en fait. Comme ça, tu peux faire les grottes sous-marines. Alors attends. On fait gaffe parce que là, on est. Ouais, il est blessé. Bon, il est blessé, mais il a des millions de points de vie. Toi, fais gaffe à l'oxygène, moi non, parce que je suis un admin cheat Infinity Stat. Attends, je vais reprendre de l'air. Je sais pas si t'as remarqué, mais les vitres, quand t'es sous l'eau, tu les vois en orange. Ah. La structure, elle devient orange. Attends, je désolé, hein, comme d'habitude, quand on s'approche d'une grosse base, ça rame un peu. Ça lagouille. Ça lagouille à mort. Voilà. Ouais, bah il est rapide, hein. Il est bien rapide. Donc c'est marrant, ouais, oui. J'ai fait exprès. On vole. Attends, je suis coincé dans la terre. Ouais, donc on va rapidement enchaîner. On a pu voir un petit peu ce que ça donnait en vrai. Alors, le Mosasaur maintenant, vite fait, on va regarder le Mosasaur. Ouais, c'est le gigano de la mer. Voilà. Je me mets juste tu peux te descendre genre de zone, voilà, que je puisse me mettre sur son dos. Maintenant tu peux conduire si tu veux. Voilà. Est-ce que tu... On dirait qu'il a attrapé un coup de soleil, il est tout rouge. Ouais. Alors là, mon pauvre, là, c'est énorme. Énorme le truc. J'y vais tout seul. Par contre, dans l'eau, ça passe pas. Ouais, j'y vais tout seul. Attends, on va essayer de... T'inquiète. Il a une vitesse, c'est un truc de fou. Je vais m'éloigner de la base. Il peut améliorer, je crois. Il peut passer un niveau aussi. Ah, c'est... Comme tu dis, ouais, c'est bien trouvé, c'est le gigano des mers, quoi. Regarde, je me suis éloigné de ta base. Bien. Du coup, on a une vitesse. On va à une vitesse, c'est un truc de fou, quoi. Je vais revenir vers ta base. Pour pas que ça te ramène vers ma position. Ouais. Parce que tu sais, il y a une longueur maximale. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc je vais revenir exactement. La map est en train de se charger. Oula. Oh, même moi, ça me fait laguer. Ouais. Putain. Bon, ici, par contre, c'est rien. C'est un test de serre. Et c'est totalement buggé. Ah ouais, t'avais fait. Je vois, il y a un début de construction. T'es dedans, ouais, là, je vois. T'es dedans. Bon, bah écoute, on va tout simplement continuer la visite. On a vu donc ce qu'était marin. Ah, c'est toi le défenseur. Allez, viens. Alors, on arrive. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la banque? Ouais. T'as mis des tonnes de coffres. Ah ouais. Alors en fait, c'est pour. C'est pour quoi? Si tu ouvres les coffres, tu peux voir que j'ai vraiment farm les ressources, tu vois. J'ai pas fait semblant. Ouais. Et maintenant, ouais, t'as farmé à mort. Ça, c'est avant que les commandes admin existent. Voilà. Ok. Donc c'est tout ce que t'as farmé. Ouais, parce que t'avais besoin d'énormément de matériaux pour t'amuser, tester, construire. Comme tout le monde, quoi. T'as des tonnes de lingots, mais tout ça. Qu'est-ce que j'ai pu en farm? Ouais. Donc ok, donc on va passer. C'est tout ce qui concerne le stock. Après, on peut monter après, là. Derrière, c'est le stock. Ouais. T'es où? Voilà. Je suis à l'échelle. Oh, tu peux monter, oui. Vas-y. Toc. Donc après, t'as mis des verres. Ah, c'est pas mal le coup des vitres. Ouais, c'est des verres, c'est pour faire un genre d'observation. Je voulais faire une prison au début, mais je me suis dit que non. Ça devient un petit peu beaucoup grand en fait. Donc là, c'est logique ce que je viens de dire. C'est tout ce qui est. Couloir. Après, on remonte encore. Ici, là, c'est un accès direct pour aller à tout ce qui est cuisson et stockage de nourriture. Ah ouais, je vois. Il y a les fours industriels, les grilles industrielles. D'ailleurs, après, t'as des là, trucs dedans. Toutes les forges. Essence, ouais. Et juste de la gasoline, je crois, dedans. Ouais. Oula, des frigos. Ah ouais, c'est industriel chez toi, c'est vraiment des grandes quantités. Des frigos toujours en masse.
Ici, le petit ventilateur pour pas avoir trop chaud. Ouais. Alors ça. Ah, Gatling automatique ce coup-ci. Ça tire sur tout. Ça Sur tout tire ce qui sur tout ce qui passe. passe, ouais. Et qui n'est pas à moi. On se croirait dans Turok. Tu sais, Turok, c'est un monde de dinosaures avec des armes du futur et du métal comme ça, et des bases. Et ça me fait beaucoup penser à Turok. Je vous invite sur Xbox 360 ou PS3, il est vraiment génial ce Ouais. Turok. Alors, ensuite, ça fait Ensuite, tout le tour en là il y a fait. encore un. Attends, je voulais voir Oh ouais, ça fait tout le tour. pendant que je suis à l'étage. Ça fait tout le tour. Et on peut même re-rentrer Sauf par par la là. behemoth, on passe pas devant par la behemoth, on passe pas devant la behemoth parce que si je veux rentrer le gigano. Ah oui. Okay. Ensuite, encore un étage. Oh là là, encore observation. Et là on va arriver dans la section tout ce qui est stockage personnel. J'ai fait des genres de casiers géants Ouais. et dedans j'ai mis des coffres de banque. Et du coup, comme j'ai fait des casiers géants avec les murs en métal, Ouais. j'ai foutu des codes sur chaque porte et chacun a accès à son casier grâce à son code. Là, je Comme vois tu peux voir. Galilée. C'est sympa, c'est la première fois que je vois le Ouais, lit, tu vois. les. Regarde. Ce qu'on peut faire. Voir. Ah oui, tu On peux te peut plus, cacher. assis. Tu te caches dessous? Tu me vois ou pas? à part le pseudo, attends. Ouais, ça dépend. Ouais, t'es planqué dedans. L'avantage du lit superposé par rapport au lit de pierre, c'est quoi? On peut pop plusieurs fois dessus sans avoir le timer. Je crois que c'est deux fois. On peut pop deux fois d'un coup dessus, je Ah crois. ouais, donc voilà. C'est mieux que lit de pierre. Alors après, t'as encore des coffres. Là, c'est le dernier étage ou il y a encore quelque chose? Après l'étage du dessus, c'est là où il y avait la serre, les quetzals, Ah oui, qu'on a les vu. Ben dinos blancs. écoute, on va terminer là-haut et on va s'amuser à. On va s'envoler. Après, je voudrais te faire tester le Ptera Speedy. Je Qui est vais là-haut? comprendre pourquoi il s'appelle Speedy. Ah oui, Speedy. Oui, là-haut. Ouais, et ben écoute, on terminera avec Speedy au volcan. Faudrait que tu me portes parce qu'il n'y a pas d'autre Ptera aussi rapide que lui. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc faudra que Comme je il est reste appuyé sur dinosauriste, la mais il était gâchette rapide. gauche si je veux pas te lâcher. Ouais. Parce que. Alors, tu pourrais essayer de me choper. Je viens d'y essayer parce que ça va être compliqué. Ouais, est-ce que s'il est rapide comme tout. Alors je vous explique même pas comment on va friser à mort. Non, c'est pas l'autre, c'est de celui qui est niveau 83, c'est Fox celui qui Speedy. appartient à Alors Fox. attention, déjà je vais le tester tout seul. Ah ouais, il est rapide, hein. Il est Attends, super sprint. rapide. Alors attends, je vais essayer de te choper. Attends. Ah, et là il est en mode speed. On va Aussi, le mettre en mode. y a des dinos que peut-être que t'as pas vu. Y a un Dimorphodon et un Mysophétécus dans la serre. Ah oui. Attends, j'essaye de t'attraper. Tu me dis si je t'ai attrapé? Non. Attends. Ça va être chaud. Il est incontrôlable le truc. Il bouge trop vite. Mais oui, ça lag trop. Attends. Attends, c'est chaud. Je t'ai eu là, non? Même Faut que tu pas. descendes un peu plus. Non mais Au pire, tu je peux essayer de prendre. saute en bas carrément. Parce que je t'attraperai Ouais, sur le sol. Je vais marcher. Tiens ça. Voilà. Voilà, c'est bon, tu m'as. Ah, Non. ça m'a relâché parce que tu t'es pris un mur. Attends. On va s'occuper de. Comme ça, tu te mets devant moi, je décolle. Et tu te mets sous les Vas-y, là tu pattes. peux choper. Vas-y, vas-y. C'est Voilà. bon. T'es bien accroché. Et là, go où tu veux. Alors, je vais mettre le speed. Attends. Je clique pour qu'il vole plus vite, voilà. Suis pas trop lourd. Voilà. Oh, et puis attends, regarde. Alors oui, ça. Donc t'avais fait spawner des tonnes de Quetzal. Oui. Alors, ça lag à mort même. Ça lag à mort, mais Ouais, ça voilà, on lag un reprend peu de la beaucoup fluidité. là. Regardez, t'avais fait spawner des tonnes de Quetzal, donc les Quetzal sont pas du tout rares sur l'île, hein. Il y en a Non, mais partout. non. Maintenant, un Quetzal dans cette map, c'est un dodo, quoi. Il y en a partout. Ah ouais, il y a des Quetzal. Là, regarde, on est dans supériorité aérienne. C'est la folie. Ouais. Oh, mon Dieu. Et ouais, il est rapide. Alors attends, on va essayer de s'éloigner de la base à Je nouveau. sais pas si au... Je sais pas si au volcan, il y avait pas toutes les dinos que j'avais fait pop l'autre jour. Ah oui, on va aller voir ça.
Ou les cadavres. Et Ah, tous ces bons taux. est-ce que tu pourrais retaper, faire spawner 30 brontos dans le volcan? Au pire, ce que tu fais, c'est que tu restes en l'air avec le Ptera, Ouais. mais... Je te lâcherai dedans, ouais. Donc vous avez vu Speedy, ouais, Speedy, c'est énorme. Tu l'as cheaté pour Speedy, la speedy. vitesse. Ouais. On arrive Lol. déjà au volcan. Ah! Oh, toutes les proues de Oh moteur, c'est encore là? putain, c'est dégueulasse, je déteste les araignées. Oh, mon dieu! Attends. Je te lâche dans les brood movers. Je verrai ce que donne ta. Non, non, non. Attends. Faut que t'appuies sur LT. Non, non, Attends. pourquoi? Je t'ai lâché ou pas? Pourquoi tant... Oui, pourquoi tant de haine? Attends, voilà. C'est bon, t'es tombé? Ouais, je suis tombé dedans en Alors plus. regardez un petit Oh peu non, quand ça va même. me faire laguer. Là, les brood movers, pareil, il a fait spawner tellement de brood movers qu'elles sont aussi Ah, rares ça que. lag! Hein, ça va, moi. Oh non. Ah, le gros bordel. Ah, c'est l'horreur. Ouais. Je suis Bah à une écoute, image par ouais, si ça lag seconde. trop, on va terminer là-dessus, c'est bien drôle. Parce que tu pourrais faire une dernière chose, c'est faire spawner des brontosaures. Je vais te montrer ça, ouais. Et comme ça, on verra Juste. le. On veut vous montrer qu'en fait, quand vous faites spawner énormément de brontosaures, ça fait quelque chose d'assez joli. Et je vais pas vous spoiler. Alors là, je me suis mis le fly. Tu vas refaire la rosace, si tu vois ce que je veux dire. Alors attends, j'essaie de sortir de cet embrouille là. Ah, la Moïse. Attends, j'ai une idée moi pendant ce temps. Ça va bien là-haut? Attends, elles vont m'attaquer. Essaie de venir me choper avec le Ptera, s'il te plaît, si tu peux, parce que... Non, non, pire, non. Parce que Speedy, il va te faire bugger. Ouais, il va me faire bugger et puis moi je vais Oh m'amuser non, pendant je ce temps. sais! Je vais tirer à l'arc sur J'ai tout les. force aim! Ah oui. Attends avant de les force Ah, time, arc a craché! laisse-moi tuer Arc quelques a brood craché, arc a movers craché. à l'arc. J'ai craché. Ah t'as craché? Ah merde, ton jeu a craché, alors attends. Bon bah écoutez, Ça m'a fait cracher. ouais, si le jeu a craché, je vais juste faire une dernière chose. Ah oui, moi aussi je peux plus rien faire. Je peux pas descendre Ouais, du. Je suis le coincé en jeu a fait. crash d'une Le jeu a manière. crash. Ouais. Bon bah c'est pas grave, on fera ça dans une prochaine fois. On s'amusera Oui. peut-être à faire spawner 30 giganos versus 30 brontos, tu sais. Ouais, un truc comme ça. Bon bah en attendant j'espère que ça vous a plu et puis comme je vous dis je visite vraiment la base de mes abonnés les plus fidèles, ceux qui commentent les vidéos, qui sont abonnés et qui sont actifs sur la chaîne. Pour sinon bah les autres, même si vous êtes des petits nouveaux, je viendrai visiter quand même les bases, mais seulement les plus grosses bases, parce que vous êtes tellement de plus en plus nombreux à me demander que maintenant je suis obligé de faire le tri et de visiter vraiment les bases les plus importantes. Voilà. Juste un truc, imagine, là t'as 6000 abonnés, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Tu dois visiter 6000 bases, Ah oui, la je pourrais série pas. Je pourrais infinie. pas. Donc on va visiter les bases des plus grosses. Voilà. Et il y a à peu près un mois d'attente, hein, vu que je suis un petit peu débordé et que je travaille en dehors de YouTube, j'ai un vrai boulot. Donc voilà. Allez, on va se laisser là-dessus. Et puis n'hésitez pas à vraiment à donner vos avis dans les commentaires, des idées, des impressions. Et servez-vous des commentaires pour ajouter en ami des amis, justement, puisque c'est comme ça que l'échange se fait dans les commentaires. Et vous verrez, les gamer tags vont se donner facilement dans les coms, pour ceux qui cherchent des potes. Voilà. Eh ben, je vous dis à la prochaine. Salut à toi, Matt. Salut Protoc. Et salut à tous, c'était Protoxique.